Eh bien, bonjour à tous, je suis super heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir un tour de Larry Jennings qui ne sera pas expliqué. J'ai pris un jeu de cartes normal, j'ai fait une petite préparation, j'ai mis une carte mystère sur le paquet et les 4 as ici. Voilà. L'as de cœur. Ah, l'as de cœur. L'as de cœur, lui, on va le mettre ici. L'as de pique. Ah, l'as de pique, on va le laisser retourner parce que c'est l'as leader du paquet. L'as de trèfle ici et l'as de carreau ici. La carte mystère, c'est le joker. Vous allez voir pourquoi à la suite du tout. Le joker, nous allons le mettre ici. Petit claquement de doigts. Où est le joker? Vous pensez qu'il est sur le paquet? Eh ben non, le joker vient de se transformer en as de cœur. Et le joker apparaît ici. Donc, on va refaire avec les autres as. As de pique, as de cœur ici. Joker ici. Vous vous rappelez de cette as? Non. C'est l'as de trèfle. Voilà. L'as de trèfle ici. Le joker ici. On va laisser retourner. Où est le joker? Vous pensez qu'il est ici? Spectatrice, retournez-le. Eh ben non, c'est l'as de trèfle. Parce que le joker, vous avez eu l'impression que c'était l'as de trèfle, mais non, c'était le joker que j'avais posé ici. Joker ici. Donc maintenant on a as de trèfle, as de cœur, as de pique. L'as de carreau, lui, on va l'enlever. On va le mettre ici. Et le joker ici. Le plus loin possible pourtant. Un petit claquement de doigts. Et là regardez, l'as de carreau est ici et le joker est ici. Si ce tour vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.